Eh bah, quand tu veux. Hello! Bah voilà, maintenant, j'ai lancé. Salut. Coucou le stream. Comment allez-vous, le stream? Et oui, coucou la Nisco, comment ça va? Oh là là, les gens sont au taquet! Il reste au taquet, la Nisco est au taquet. Je remets ma petite. J'ai une nouvelle chemise là, je suis contente, je vais la remettre. Attends, elle est où? Ah, ma Attention, petite éternuant chemise de blanche. papa. Ah! Yes, à tes souhaits. Pardon. Ah, je me suis fait mal en plus en éternuant. Oh. Oh, j'ai encore bien fait de monter l'eau. Est-ce que vous voyez mon nouveau meuble? Oh oui, vous le voyez. Regardez, attendez. Enfin, vous voyez pas grand-chose, mais j'ai un nouveau meuble là. Faut que j'aille voir. Alors pour l'instant, j'ai pas, j'ai Oh juste mis des oui. boîtes dedans. Il faut que je mette, mais dedans je vais mettre genre, hop là. Dedans je vais mettre genre mes figurines pop. Mais je vais mettre des LED derrière. Mais d'ailleurs, pourquoi mes LED elles sont pas allumées là? Je vais mettre des LED derrière. Je vais ranger mes trucs de couture et tout ça. Ça va être trop stylé. Trop stylé. Sinon, qu'est-ce que tu racontes de beau, Camille? Tranquillou? Et bah écoute, ouais, je me suis défoncé les abdos en montant mon meuble. Ah, ça. Tu Mais l'as je suis monté trop contente. en faisant des squats? Ouais! Mais je l'ai montée toute seule. Et genre full seule. Enfin, il y a juste Jade qui m'a J'aide. aidé à le retourner. Ouais, Jade. Qui m'a aidé à le retourner, genre une fois à la fin, genre quand j'avais tout monté, il m'a aidé à le tourner parce que je voulais pas démonter la télé en le tournant. Ah, tu m'étonnes. Mais j'ai tout monté toute seule alors qu'il était noté pour deux. Du coup, je suis vraiment trop contente. GG. GG. Merci. Alors. Voilà, et puis c'est cool. Et toi, quoi de beau, Fabien? Eh ben écoute, quoi de beau? Eh ben, moi j'ai mangé plein de gâteaux. Ma mamie, Waouh! elle m'a fait un gâteau aux châtaignes, j'étais trop content. Ah, mais oui, le fameux! Ma maman, elle a fait un gâteau de courge. Oh, quoi bon! Voilà. Trop bien! Ensuite, elle a aussi fait un gâteau chocolat, poire chocolat du coup. Et, enfin, une tarte poire Elle chocolat. fait tout ça. Et bah en fait, c'est juste qu'il y avait des invités. Et en plus, il y a des invités qui ont ramené aussi un autre gâteau. Donc du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de gâteaux. Et Il était j'ai quoi plein de le restes à faire comme dernier ça. gâteau? Le dernier gâteau, il y avait du caramel. C'était un truc, une pâtisserie caramel un peu mousseuse, tu vois. Je sais pas comment le dire. Ok. Il y avait plusieurs couches. D'accord. Voilà, non, c'était bien bon. Après, j'ai vu mes grands-parents, j'étais content. Ouais. C'était Mais bien, bien c'est sympa. cool. Je leur ai montré mes dessins. Et, ah oui! Ouais. Et du coup, sans vouloir te hyper, mais pour Halloween, Ouais. ça va être cool. Ok, t'as Ouais. pu mettre des petites choses en place, c'est ça? Là, c'est bon, j'ai ma structure, je suis content, ça avance bien. Ah, Jusqu'à bah présent, c'est cool. j'étais hyper stressé de. Mais là, j'ai pu aller sur les Ouais. lieux et du coup, ça a bien. Ah, trop Il y a bien. moyen, il y a moyen. Trop cool. Voilà. Alors, la Nisco qui dit voilà, maintenant ça marche, ma co est éclatée en ce moment, du coup je sais pas si tu m'as demandé quelque chose, ça va toi? Alors moi ça va, je te demandais justement si tu allais bien, et je montrais, bah là on voit plus grand chose, je montrais mon nouveau meuble que j'ai monté toute seule tout à l'heure, en une petite heure, je suis trop en moins d'une heure même je l'ai monté. Je suis trop contente, mais je me Trop suis forte. vraiment pété les abdos, j'ai super mal. Hop, ça m'a fait l'effet d'une petite déchirure musculaire à un moment quand j'ai forcé pour enfoncer une planche. C'était le bonheur. Ma peau. Alors, voilà. Comment vont les chats? Ils vont très bien. Et puis bientôt le petit frère qui Ouais. arrive chez mes parents. Comment il s'appelle du coup lui? On sait pas encore. On sait pas encore, mais il va se prendre un nom de. Il va se prendre un nom de volcan. Comme De volcan? Éclat. Ah, Ouais, t'as qu'à comme éclat. l'appeler Eja Fayano Cool. Bah, éclat, il s'appelle comme le mont éclat en Islande, si je me trompe pas, oui, en Islande. Qui est un volcan.
Et alors le nouveau petit, bah faut regarder, c'est l'année des S, mais bon l'année des S, mais en même temps c'est pas un chat de race, donc. Ouais. Mais je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme volcan en Islande. Et voilà. Alors, l'Anisco dit, moi ça va normal, disons. Ok. Bon écoute, si ça va déjà, c'est bien. Si ça va normal. Voilà. Mais GG à toi, trop fort. Merci. Mais je suis la spécialiste de, du Ouais, montage de meubles. elle est trop forte. J'adore monter des meubles. Snow. En fait, mes parents et mon frère, ils sont chiants pour les noms de chats. Ils veulent vraiment des trucs genre qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. C'est Bah, sûr. sauf genre leur premier chat qui s'appelait Léo. Mais là, ils ont fait l'Égypte et là, ils font les volcans. Donc on regarde volcan islandais. Snæfellsjökull Oui, voilà, me ça. dit la disco. Bah, c'est comme Alors comment? Eyjafjallajökull. Ouais. Snæfells. Ah mais c'est celui-là, c'est celui que tu m'as dit. Ok. Bah oui. Pourquoi c'est marqué volcan Islande saucisse? Ils vont regarder, mais voilà, mais le petit chat, je sais pas quand est-ce qu'il arrive. On se renseigne un petit peu avant. Et je suis les indications de Jacques Chirac, je mange une pomme. Manger des pommes. Je lui Très très bien. rends hommage. Alors sinon, Skaldbreidur. Eh, en vrai, Skald, mais je sais pas comment ça se prononce. Skald. À creuser. Bon appétit, Jacques. Merci. Manger des pommes. Fraude pas trop le métro, hein. Hein? Fraude pas trop le métro. Ouais. Ça va, il n'y a pas de maison chez moi, normalement. Alors, j'avais une petite idée. Comment il s'appelle? Ah, c'est bon. Voilà. Bon, par contre, il va me falloir une ref parce que. Moi, du coup, je fais Helmet. Oh oui. Ah bah alors là je vais vous montrer parce que je l'ai pas montré les dessins que j'avais fait. Oui, je l'ai pas vu. J'avais fait ça pour elle mettre, genre Alors, attends, vraiment tout bête, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Attends, j'arrive. Ah, t'es où, Oui. Camille? T'es où, t'es où, t'es où, t'es où? T'es là. Oh! Putain, mais Voilà, attends. tout bête, j'avais Ouais. vraiment pas envie de me prendre la tête. Sauron. Moi, je. Non, c'est. C'est Skyrim. Ouais, enfin, d'après mes recherches Pinterest. Et pour Ouais. la boussole, j'avais fait ça. Parce que là, moi, j'ai commencé un truc un peu similaire, c'est ce qui est fou. Ah! Oh! Compare. Voilà. C'est pas con. Ouais. Voilà, maintenant, Bon, allez. on Hop là. passe à Collide, qui est collision. Oui. Bon, l'avantage, c'est que vous n'avez pas l'air de trop m'entendre quand je m'en attends. Ouais, non, je t'entends pas. Alors, dis-moi, j'ai mangé de la tarte aux pommes avant avec des noix, des raisins et des amandes. Ouh! Ah, Mmh. bah moi j'ai mangé beaucoup Ouais, de trop gâteaux. bon. Moi, oh là là, mon frère, il avait fait une soupe. Ah ouais? Non, mais. Alors, c'était une soupe au potimarron Ouais. avec d'autres légumes. Ils avaient fait griller au four avant de les mixer, mais il avait mis aussi genre du lard, du chorizo, plein d'épices, Ouais. des tomates cerises pour la. Non mais c'était sa soupe, elle était tellement bonne. Ne me Mais c'était demandez pas vraiment si une c'est du tuerie. lard ou du cochon. C'était une tuerie cette soupe. Plus mon père, il avait posé par-dessus un œuf parfait. Oh là Waouh. là. Est-ce qu'il était Mais parfait au moins? c'était. Ah ouais, il était parfait. Et en plus, mes parents, ils avaient pensé à moi. Ils savent que j'aime les œufs. Enfin, le blanc, j'aime bien qu'il soit cuit correctement, quoi. Je veux pas qu'il soit encore un peu Ouais. transparent, ça me dégoûte. Ouais. Du coup, il avait fait cuire un tout petit peu plus longtemps pour moi, mais. L'œuf, s'il te plaît, il avait cuit 54 minutes. Non, attends. Wow. Ouais, oh ouais, entre 50 minutes et 1 heure, à 64 degrés. Ah ouais, la hausse des prix d'énergie, ils en Ah, font. mais c'était abusé, c'était n'importe quoi.
ce temps de cuisson là. Bon, alors attends. Je vais me faire mon truc là. Bon, ça va ressembler à rien pendant un tout petit moment. En tout cas, ta tarte aux pommes, la Nisco, ça fait très très automne. C'est... Ouais. C'est pile ce qu'on mange pour l'automne. C'est quel thème aujourd'hui? C'est Collide. C'est une collision en fait. Alors, pour l'instant, c'est pas très reconnaissable. Mais tu vas voir. Je fais juste un petit croquis. Attends, faut que je fasse un petit schéma. En fait, je voudrais que ça fasse plus Oula. Comme ça. Attends. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis ce soir, pendant que Fabien dessinera, la va continuera ses dessins puis jouera à Minecraft. Ouais. Et ben avec Alex, on a prévu de faire du New World puisqu'il l'a acheté tout à l'heure. Enfin, ça c'est si Alex arrive à le télécharger. Ah oui, oui. Sinon Minecraft. Sinon Minecraft. Et je serais dégoûtée parce que j'aurais été trop hypée et du coup ben. Ouais. Faut pas. Je serais frustrée. Faut pas s'attendre à... Tu sais, faut viser petit, parce que des fois, on a des surprises comme ça. Ouais. T'es pas déçu. Mais le problème, c'est que pour l'instant, Minecraft, oh. Là, j'arrive plus trop à m'amuser. Merci, les blondes roses, pour le follow. Mm-hmm. Bienvenue, du coup, si tu... N'hésite pas à parler dans le chat, c'est Radio Libre. Désolé Cam, je t'ai coupé. Je disais sur Minecraft en ce moment j'ai vraiment du mal à avancer, ouais. À m'amuser, ouais. Surtout. Tu t'appelles Théus. Merci Kevin pour les 31 bits, c'est hyper précis. Coucou Kevin, ça va? Ça va très très bien. Et toi? Comment vas-tu? C'est trop marrant, on aurait dit que tu répondais à ma question. Oui, oui, parce que du coup, on allait le chat en même temps. J'aime beaucoup ce masque, et bah merci beaucoup. Écoute, je fais des dessins depuis le début de Inktober. Du coup, attends, si tu veux voir mon dernier dessin, c'est celui-là. Voilà, je rattrape un peu mon retard, il est là juste en dessous du chat. Voilà. Après, tu vois, je fais de la colo, mais là, je fais juste le tracé pour l'instant. On est au tout début. Tu arrives vraiment au tout début. Ah, il passe de deuxième à premier. Effectivement, le 31, c'était pour passer premier. Eh bien, GG à toi. Le 31 quoi? Et les 31 bits de Kevin, c'était pour repasser premier. Oh, il a fait le calcul pile poil. Ouais. Ça va plutôt bien, merci. Bah, trop cool. Toi aussi, tu fais Inktober? Donc je suis avec Camille, n'hésite pas à aller faire un tour aussi chez Camille, oh, Gold Firepaw, qui est dessinatrice aussi, qui c'est une collègue et une super amie de stream, oh. Et une super amie de tous les de la vie de tous les jours. Tu veux dire comme ça une super amie de stream? Non mais je veux dire, non, non je sais. Je suis mal exprimé, je l'ai pas mis dans le bon ordre, c'est ma meilleure amie, c'est une collègue de stream, voilà. C'est ça que je veux dire. Et du coup, on stream ensemble. Taquine. Coucou Tanguy. Et oui, Kevin, ça va très bien, merci. Tu regardes c'est ça, une partenaire commerciale. Voilà. Le marathon de Domingo. Ouh, le marathon de Domingo. Le marathon de Domingo. Inkto quoi? Ah oui, le truc où c'est censé faire. Je me décourage tous les gens cette année, je n'en ai même pas pris le temps de regarder la liste. Ah, oh bah alors. Mais tu dessines du coup, tu fais des dessins. Désolé, j'ai attrapé un rhume. Oh mince. Est-ce que vous savez ce que je dessine? Eh bah ça, je sais pas.
parce que j'ai pas regardé ton dessin encore. Ça n'a rien à voir, mais je suis trop contente parce que tous les ans je galère à trouver un cadeau de Noël à mon frère. Ça y est. Et ouais, il m'a dit ce qu'il voulait. Bah déjà on s'est offert tous les deux le calendrier de l'Avent. Ouais. Voilà, de Pop. Il va être et content. Il voudrait Pokémon. Il voudrait Pokémon Perle. Oh. Pour souvenir de l'enfance. Un Ronflex. Eh oui. T'as un Instagram? Moi j'irai faire un tour si t'as un Instagram. Mais c'est pas tout. Il va y si avoir autre veux, chose. Si tu veux sur le. Si tu veux, t'es où sur les. Sur le Discord de mon. De ma chaîne, là, si tu fais slash Discord, là, il y a des gens qui partagent leurs dessins dans le truc art. Attends, je vais te le partager. Discord. Voilà. Voilà, c'est ici. Il faut que tu fasses la vérif comme quoi t'es follow à ma chaîne. Bon, là, tu viens de follow, donc il n'y a aucun souci. C'est hyper bienveillant. De quoi? Sur mon Discord. Ah bah oui. Il y a Mixteam. De toute façon, oui. Tous ceux qui sont dans notre chat sont toujours hyper bienveillants. Ouais, tous sauf un. La fameuse blague à chaque fois. Ça ne va pas. Ça ne va pas d'ici. C'est trop petit. Le casque est pas foufou là. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que si je le fais plus large comme ça? Là comme ça? Non, il faut qu'il soit plus haut en fait. Alors. Vivement la prochaine session Stardew pour le All Stream. Bah oui, ça va être grave sympa. Ah ouais. Toi aussi, Toi aussi, Kevin, tu vas stream du coup? Bah, si elle le stream, c'est ouais. C'est déjà ta question. Bah, ouais. Alors ensuite, dois-je me sentir visé pour le tout sauf un? Oui, c'est moi. Non, aucun de vous, c'était une blague. Alors, je ne poste pas vraiment sur mon Instagram. La plupart du temps, je les mets en story, mais dès que j'ai fini mes gros projets, quand j'aurai le temps de les finir. D'accord, trop stylé. Tu fais quoi comme gros projet hein, en ce moment? Zut, je voulais être unique. Ouais, je vais stream. Ah, trop bien! Oh, trop stylé, du coup, on va faire une squad. Ça serait ouais, c'est dommage qu'on soit pas du tout partenaire. Ouais, faudrait leur demander exceptionnellement, juste exceptionnellement pour ce live-là. Ouais. Ok. Faudrait demander à Zera. Maintenant, il faut choisir un deuxième Pokémon. Comment ça? Ah! J'ai fait un Ronflex, il faut que j'en choisisse un deuxième. D'accord. Putain, je vais pas y arriver à faire la forme de ce casque. Mais un petit Pokémon. Comme ça. Un petit Pokémon? Mysterbe. Oh. Mysterbe. Ah! Oh, ah, oui. Ah bah maintenant j'hésite entre Mystère et Rondoudou. Ah non, en vrai avec Mystère ça peut être très mignon. Vas-y, c'est bon, je prends Mystère. Merci beaucoup. De rien. En plus, Mystère vraiment pas très difficile à dessiner. Ouais. C'est clair. Ok, alors. Non, faut pas que je fasse comme ça. On va aller réfléchir autrement. Ouais, c'est très étrange. Attends, on va faire les plantes. Sinon, ça va être trop bizarre. Du coup, Kevin, Stardew, lundi soir, ça te va?
Je sais pas si t'as vu sur la conversation groupe. Oui, moi j'avais pas vu. Oh, y a Ryan qui est là. Trop bien, coucou de Ryan. Enfin, c'est des portraits réalistes format A3. Je n'ai pas vraiment le temps, je dois aussi faire des dessins et des tableaux d'Halloween creepy pour un restaurant. J'ai une fille de ma classe qui m'a demandé un Totoro depuis presque un an et je veux m'appliquer et ne décevoir personne. Tous mes projets de cours. Trop stylé. Trop bien. C'est marqué 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a toujours 5 feuilles, j'ai l'impression. 5, 4, 5. Ok, j'ai l'impression qu'il y a toujours que 5 feuilles. Alors, Kevin qui stream, j'ai regardé des tutos Streamlab. Ok, yes. Bah très bien. Super. Faut voir Claire aussi. Claire, elle se cherchait un pseudo et du coup hier on a avant-hier plutôt. Ouais. On a cherché des pseudos pour elle. Ah. Donc après vous allez voir, il y a peut-être une surprise. On va voir. Aussi. Oui, par déduction, je suis en art. Enfin, c'est plus du graphiste. Du graphisme, si. Pardon. Trop bien. Pardon. Et bah écoute, ça va très très bien en tout cas. Ça va très bien, Dora, Ryan. Ouais. Du coup, moi là, je fais le tracé sur Illustrator et après je passe sur Photoshop pour tout ce qui est colo. Comment on fait comme ça? Vous notez combien sur 20 mon pseudo? Les qui? les blondes roses. Combien tu mettrais à les blondes roses, Camille, comme pseudo? Je sais pas, moi c'est très bien, chacun. C'est oui. Très sympa. C'est un nouveau pseudo? Mais attends, parce que c'est qui? C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau, ouais. Ah oui, d'accord. J'ai cru que c'était Ryan que j'étais fait un troisième compte. Non, non, je sais pas, peut-être que. Ryan, il se parle à lui-même du coup. Non, je pense pas. Par contre, je suis sûr qu'il y a des gens qui dessinent pendant en regardant nos lives, hein, Camille. Ça marche. Ah ouais, sûr. Ouais. Bon, je sais. C'est une intuition. Non, mais il y a. Bah, coucou à eux alors. Il y en a certains. Mon ancienne pote qui me disait ça. Okay. Nouveau depuis 10 ans. Ah, c'est pas un nouveau pseudo. Mais oh, il y a Yuma Yumaye. Trop bien. Coucou. Mais il y a tout le monde là qui arrive, c'est trop bien, je suis trop content. Mm-hmm. Putain, maintenant du coup j'ai la pression, alors que j'étais tranquille en train de dessiner mon casque. Alors maintenant on va dessiner un peu l'intérieur. Faut que je mette des petites refs. Mais quoi, Kevin? Fabien, le sens et la force, c'est ça? Oh. Je reviens dans 5 minutes, je vais follow la catégorie art français. Ok, ça marche, pas de soucis. Mais moi ça va super bien, Yuma Yumaye, et toi? Je vais encore l'avoir dans la tête, Yuma Yumaye. Encore une fois. Okay. Il est plutôt de cette couleur là, un reflex? Comme ça? Il est pas d'un gris un peu... Ouais, il est gris bleu, mais en fait ça dépend des versions. Enfin... J'ai trouvé une photo, il est carrément vert, le pauvre. Mais effectivement, il est plutôt bleu. Je vais le mettre comme ça. C'est ça. Il est greux. Il est greux. Gris bleu. Gris bleu. Ah oui. Changer de couvre-chef. Oh. Ok, je change de couvre-chef. On va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Alors,
Elle veut voir le dessin de Camille, Yuma Yumaye. Bah, alors faut que t'ailles sur Goldfirepo. Va faire un petit tour. Qu'un souci. Oh, je viens de me rappeler de ça, tiens. Voilà, j'ai changé de tout au chef. Bien joué. Le dessin de Cam, ouais, du coup, il est dispo sur sa chaîne. Mais je t'ai déjà vu, Yuma Yumaye. Je crois pas. C'est Goldfirepo, hein, du coup. C'est dans la description. J'ai fait n'importe quoi, là. On va faire comme ça, les gars. Ah non, j'ai pas tout rempli. Comment tu trouves mes cœurs? Oh, ils sont trop choux. Ils sont adorables, ces petits cœurs. Ok, ensuite. C'est les tiens? Hop, une oreille. Merde. Ah. Et une autre oreille. Une oreille. Une petite oreille. D'ailleurs, les yeux, faudrait que je les rapproche. Waouh, trop plein de cœurs qui envahissent mon écran. Plutôt comme ça, son bidon. Il est bien de se poser là. Ah ouais. Alors, ça je garde comme c'est ça. C'est très kawaii. Tous ces petits cœurs. Merde, et mais pourquoi ça me le décale parce que ça... Tes dessins sont trop bien sur Insta. Oh, c'est trop gentil, Ryan. Merci beaucoup. Merci, Yuma Yumaye, pour le pseudo. J'ai dit n'importe quoi, pour le follow. Il l'attaque. Non, il lui est rentré dedans. Regarde sa petite tête. J'ai glissé de ma chaise. Ah, tout merde. Ah, il y a eu un bruit, en fait. Et j'ai cru que c'était Alex qui rentrait dans le chat. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est juste, je me redressais et mon coude a glissé de mon accoudoir. D'accord. Alors. C'est très gentil en tout cas, Yuma Yuma, merci beaucoup. Alors, comment on va faire? Hop là. Ok, alors. Salut Ryan. Ryan qui vient faire un tour. Qu'est-ce que tu fais? T'écris beaucoup de choses. Comment ça va, Ryan? Moi, je fais une commission. Ok, tu fais une commission. Du coup. Dans la toilette? Pour. C'est Yuma qui t'avait dit pour le resto et tout ça? De quoi? C'est Yuma qui t'avait dit pour... Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui t'avait dit pour le resto? Quel resto? Qui faisait des dessins pour un resto. Ah non, c'était... quelqu'un d'autre? C'était les blondes, ah, oui. Les blondes roses. Ah oui, d'accord. Et bah alors, c'est quoi cette commission, Yuma, que tu fais? C'est chouette. Je ferai les ondes et tout après. Allez, mais. Ah. Voilà. Ensuite. J'arrange des emotes pour un pote. Ok. Trop stylé.
ça va et toi Camille? Bah écoute, ça va très bien, merci. Ok, alors je crois que mon réflexe, je peux enlever. Oh yes, il est pas si dégueu. On va gommer un petit peu par ici. On mettra du jaune. Ah quoi que... Mais non, j'ai pas fini. Il a pas de main. Ah bah tiens, il y a Clément qui demande pour Minecraft. Ah bah, on est surbooké. Oh, salut, Liquid Butane. Trop bien son pseudo. Ouais, j'avoue. Bah du coup, c'est et cool parce que... Comment ça va? Avec toi, oui, Minecraft. Oui, oui, un peu plus tard, du coup. Hein, faut, je serais pas à 21h30, du coup, parce que là, à vitesse où j'avance, pour attraper 3 dessins, ça va être compliqué. Ouais. Ok, alors, et en fait... GG pour ton dessin. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Eh ben, trop trop bien, c'est super bien. J'ai 100 ans à lire les mots en fait. Ouais. Alors. Maintenant, les couleurs du mystère. Ok. On veut plus partir sur un genre de bleu comme ça. Comme ça, c'est mon reflex. Mais non, mais j'ai pas fait le bras du reflex, putain. C'est plein de nouveaux BG qui arrivent là. Dans le chat, c'est trop bien. Ouais. J'espère que ça va te plaire. Ici, du coup, on fait des dessins avec Camille. Du coup, si tu veux aller faire un tour chez Gold Firepo, elle fait aussi des dessins en même temps que moi. Il y a les blondes roses qui est revenu. Je vais bien l'aimer celui-là, je vais en faire des autocollants. Voilà, je crois qu'en fait on va direct passer à la colo parce que je vais beaucoup jouer avec la lumière en fait, moi. Donc ce dessin il paraît simple, mais après on va s'amuser avec la lumière. Hop, ensuite ces petites feuilles. Yes. Ah oui, les blondes roses, ma commu s'est appelée les BG. Donc voilà. Merci les blondes roses pour ton follow. Bienvenue. Donc n'aie pas peur si on t'appelle BG. Voilà, c'est la commu. C'est que tu en fais partie maintenant. Voilà. Hop. Ensuite, je vais en mettre un. Et c'est quoi le nom de ta commu, Camille? Moi, je n'en ai pas pour l'instant, mais ça viendra. Mais pour l'instant, je n'ai pas de coup de cœur. Ça viendra. Après, je t'avoue que c'est pas vraiment moi qui le choisis. Hein. Ouais, je sais. Moi, j'aime bien choisir les choses, tu sais. Ah, je sais. Contrôle fric. Ouais, voilà. Exactement. C'est juste que après, tu vois, genre, c'est définitif, quoi. Ouais, c'est pas définitif. Hein. Ouais. Si on en trouve un meilleur, go, hein. Ah Ryan. Hein, si on en trouve un meilleur quoi. Ah s'il n'y avait pas de bot, j'aurais rempli le chat de cœur. Ah. Les kamikazes, les kamikazes, les petits surimi. Les petits surimi. Ouais. Non mais en vrai on a le temps de se décider, vous inquiétez pas. Ah. Et la panique. Ah. Je perds le contrôle. Genre, non, ne vous inquiétez pas. Genre, on se décidera quand on aura besoin. Toi aussi, tu fais Linktober sur Pokémon ou juste celui-ci? Non, bah écoute, juste celui-ci, mais figure-toi que c'est un peu moins ça me plaît plutôt bien. Donc peut-être, genre, peut-être qu'il y en aura d'autres. Pour l'instant, pour Linktober, j'ai fait. Alors, j'ai fait ça pour les cristaux, je crois que c'était... Ouais, cristal. Les cristaux. Ah oui, j'ai cru pour Christelle. Christelle. Non, non. J'ai fait ça pour Soot. Alors, j'ai fait celui-là pour navire. Enfin, ship, c'était, je crois. Celui-là, c'était quoi déjà? Capture. Nœud. Gnote. Ouais. Corbeau. Dis-moi, Ryan, qu'est-ce qu'il y a, Ryan? Dis-moi. Quand tu cries mon prénom comme ça m'excite. Esprit. C'était celui-là pour Esprit.
Celui-là, j'avais pas d'inspi, j'ai fait un ventilateur. C'était le ventilateur de Tom. Ça, c'était montre. Enfin, watch. C'est quoi mon Alors dessin? là, j'avais zéro inspi, c'était très C'est... chiant. Alors moi ce dessin c'est Helmet. Ça, c'était quoi déjà? J'ai Pic. Ah, c'était récupéré pour un peu de la voler. couleur. C'était un chien Ok. qui avait volé des saucisses. Alors celui-là, j'ai même pas envie le là, celui-là, j'ai même pas envie de le montrer, il est archi nul, c'était pour savoir. Ça, c'était stuck. Ça, Ah! c'était quoi? Je vais Ouf. devoir vous abandonner 2 minutes. J'ai oublié de mettre mon linge dans le sèche-linge. J'espère qu'il C'était sera quoi sec ça? à 20h30. Oh bah pas de soucis, à tout à l'heure. Bonne petite Ah bon oui, sèchage de tic. linge. C'est vrai que c'est pas Helmet. mal. Je sais pas quoi, je sais pas si j'arriverai à faire aussi bien que lui là. En termes de Doucement. cuivre. Et voilà. Et donc, j'avais commencé, mais c'était juste pas ouf et il n'y avait pas d'idée. Donc, j'ai stoppé. En vrai, des fois, enfin, tu vois. Bon, après, si tu vois tous les mots que tu te dis, ouais, vas-y, il y en a zéro pour lesquels j'ai des idées, ben, c'est peut-être pas la peine de te forcer. Mais en vrai, c'est dommage, tu vois. Tu Ouais. peux, en dessinant, en faisant même un croquis bête, tu vois, genre. Ah bah tiens, aujourd'hui c'est ventilateur, mais j'ai pas d'inspi. Bah tant pis, je fais un petit ventilateur et basta. Mais j'ai dessiné 5 minutes aujourd'hui. Et bah, même ça, juste même ça, c'est sympa, tu vois. Merci Kevin pour ton mois, ton tiers 1 de mois de décembre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, si je lui faisais des bras, ce pauvre flex. Oula. Et ben on va enlever ça. Et on va faire un nouveau. Ah. Oh merde, il y a le blanc des yeux C'est qui ont bugué. vrai. Mais rien d'aussi bien que mon jour 1, donc c'est chiant. Ah ouais. C'est à qui que tu parles? C'est Yuma. Oh. Mais en vrai, c'est dommage. Mais Ouais. bon, après, ça sert à rien de se forcer, Ouais, donc. faut pas se forcer, faut que ça soit du plaisir. Ouais. Après, tu vois, moi j'arrive à tenir honnêtement grâce à Camille, hein. Ouais, mais pareil. Et aussi mon collègue, parce que c'est un peu comme si j'avais des comptes à rendre au bureau quand j'arrive. Ouais, mais totalement. Ils attendent mes dessins, donc du coup, j'ai envie de pas les décevoir, tu vois. Merde. Moi, c'est vraiment. Bon, il y a le fait qu'on stream et du coup, bah. Ça m'oblige à les faire, mais c'est aussi genre un challenge, tu vois, personnel. Tu te dis. Tiens, enfin, il faut que j'arrive à le faire, tu vois. Parce que moi, je l'ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais terminé. Donc, il y a ce côté perso aussi où je me dis. Je vais enfin réussir à le finir, quoi. C'est Bah. vrai. Déjà, même si je m'arrêtais là, ce qui n'est pas le cas, mais même si je m'arrêtais là, j'aurais jamais été aussi loin, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, avant, t'avais abandonné un peu plus tôt. Bah, j'abandonne très rapidement en général. Je suis trop Mais là, il y content en tout a cas plein que de t'aies choses. tenu. Il Et y a vraiment beaucoup de ouais. choses que me force à faire et je suis Bah contente. déjà, moi, tenir le stream aussi C'est longtemps, une diversion. je suis content Ouais, aussi. carrément. Carrément. Mais pareil, ça c'est un des trucs que j'ai tenu le plus longtemps, hein. Je suis vraiment contente. Y a Kevin qui dit, et du coup après le subscribe, il dit encore 999 et le tub. Ouais, tout à fait. J'ai vu que dans catégorie art, aucun n'était à jour pour le Inktober, ils rattrapent leur jour de retard. Bah là, parce que moi j'ai passé mon week-end avec ma famille. Du coup, ouais, j'ai pris du retard, effectivement. Ah, sauf moi. Moi, je suis à jour. Ouais, mais fais pas Alors, ta. est-ce qu'il y a une personne qui est à jour Y a que toi. dans la catégorie art? C'est moi. Y a que toi. Ce Y a vraiment que toi, Camille. serait marrant. Comment s'appelle de l'eau sale? C'est une énigme ou c'est une blague? Oh putain, mais je me suis gourée de. Comment s'appelle de l'eau sale, Camille? Bah, je sais pas. Moi non plus. Je sais pas du tout. Non, vraiment, j'en ai aucune idée. Et tu dessines en tableau ou tu fais du Photoshop et tout ça, les blondes roses?
Merde, ça marche pas. Ah merde, oh. Voilà, ensuite. Pourquoi le nez, je peux pas? Ah merde. Ne dis pas que. Team Tradi avec les cours et on a un peu d'illustrateur. Écoute, moi, tu vois, jusqu'à présent, j'ai fait 3 ans de Tradi, de Inktober en traditionnel. Puis là, j'avais envie de me faire un peu de Photoshop pour changer un peu. Je me sens un peu plus Et puis, libre. mine de rien, non seulement tu te sens plus si, mais en plus, ça te permet de te perfectionner. Enfin, tu vois? De gagner un skills dans un autre. Enfin, Oui, après bien tu es sûr. toujours sur Photoshop, mais tu vois, genre un mois constant sur un truc Ouais. que. Enfin. À Ouais. chercher à utiliser des nouveaux outils. Oui, ça fait du bien, en vrai. Ouais. De l'eau usée. Comment s'appelle? De l'eau sale, de l'eau usée. J'ai pas la blague. J'ai vraiment pas la blague, je suis désolé. Y en a une? Une Bah, blague? peut-être. C'était une blague? Attends. C'était peut-être pas une blague. Ça se trouve pas du tout. Non, je cherche. Ouais, moi je vois pas de blague. Alors, attends. J'ai fait au moins 7 ans, donc c'est Yuma. J'ai fait au moins 7 ans de tradi et depuis que j'ai ma tablette, depuis mon annif, donc Newt, je m'éclate de ouf. Bah Ouais. oui, c'est trop bien. Bah, moi avant je dessinais, mais genre voilà, pas non plus. Pas du tout régulièrement, genre une fois tous les 36 mois. Mais quand j'étais ado, j'aimais bien dessiner. Mais par contre, à partir du moment où j'ai eu ma tablette, alors, où j'ai eu mon stylet, parce que j'avais ma tablette avant, enfin, bref, j'ai commencé ça. Laisse tomber, c'était vraiment. Enfin, ça change la vie, quoi. Merci beaucoup Nori pour ton deuxième mois d'abonnement. Tu dois avoir un petit badge normalement. Un petit Oh. badge avec. Tu dois avoir la suite du petit badge normalement. Je vais gommer ça. Comment ça va Nori? Non, attends, on va pas faire comme ça. On va les Non, mettre faudra faire là. lumière Bah crue. voilà. Hein. Yes. Mais ils mettent à 30. Qu'est-ce que je fais? Peut-être gommer ça. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je fais n'importe quoi. Un petit peu. Tant pis, je remettrai du vert. Voilà, on va décaler ça. Ça va D'ailleurs, on va super peut-être et tout. Bah flouter ça. écoute, ça va. Parce que Plutôt c'est. pas mal. Alors ça va pour. Ça va pas du tout. Oh Non, ça merde. va. C'est marrant ça quand même. Voilà. Du coup je. Pourquoi pas hein. Mais du coup faut rajouter du noir. Ah non mais Je ça dessinais floute pas régulièrement non aussi. plus, je t'avoue, mais j'apprends vite, donc ça se voyait pas que je m'entraînais pas. Mais ça, c'est vachement cool, dis donc. Marrant ça. Moi, ce que je découvre vraiment Ton mon skill. amour des études, en fait. Ah. Tu sais, genre en ce moment, je bosse la programmation. Ah oui. Et genre vraiment, j'y passe des heures et des heures Ouais, c'est. Et j'adore ça. Ouais, la progra ça peut être cool. Mais après, ouais. Moi, les études, du coup, je suis passé à autre chose, je pense. Je vais avoir du mal à y revenir. C'est pas, enfin, je sais pas, genre les études, genre être étudiant, mais apprendre des choses. Juste, genre, enfin, je sais pas, avoir des nouveaux skills, des trucs, enfin, tu vois, genre vraiment, j'adore ça. Mais depuis ma tablette, je fais beaucoup de choses, je teste beaucoup de choses aussi. Bah oui, parce que t'as accès à plus d'outils en Tu fait. peux aller plus loin Beaucoup plus dans ta facilement. logique. Ouais.
Ouais, clairement. Après, une tablette, ça coûte cher, c'est pour ça aussi. Ah bah... Ça, c'est sûr. C'est pas donné. Alors... Non, je me suis trompée. Ok. En fait, ça va pas. Ça, c'est mieux. C'est l'intérieur de ses yeux qui sont. Ouais, après, matériel tradit sur le long terme, ça coûte aussi pour ça que je faisais que du crayon. Bah oui. Après, enfin, si tu veux avoir genre un matériel hyper varié et tout, c'est vrai que ça coûte vraiment aussi extrêmement cher en fait, hein, d'avoir du matos. Du bon C'est vrai. matos physique. C'est vrai. Puis ça s'use. Enfin, Oui. presque tout autant d'ailleurs. Hein? Presque tout autant qu'une tablette. Hein. Ah bah. Beaucoup plus vite. Je sais pas. Parce que tu vois, le stylet, faut en acheter et tout. Acheter le stylet? Bah, les embouts. Ah ouais! Là, mon embout, ça fait. Là, je l'ai changé. Bah, j'ai changé hier d'ailleurs mon embout. Ça faisait genre. J'avais récupéré l'ancien de mon ancien crayon. Ouais. Donc, ça fait genre. Bah, 2 ans que je dessinais avec, quoi. Ça Ouais. va. Ah merde, j'ai fait de la merde. Voilà. Voilà. Ok, c'est cette feuille-là. Ok. J'ai pas mal de rechange et ma tablette avec écran m'a coûté 300 €, c'est plus rentable. Ah oui! Bah ça va. Franchement, ça va, hein. Petite question, vous avez quel âge dans le chat? À quel niveau d'études vous êtes? Ou est-ce que vous êtes déjà sur le marché du travail? Petit sondage. À quel moment vous avez découvert que le dessin c'était cool? Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi il me... Oh non! Allez! Mais... Quoi? Oh! Non, Qu'est-ce qui t'arrive? ça a changé d'écran. Mon stylet, il a changé d'écran. Attends. Basculer Ah, entre oh, c'est écrans. chiant. Basculer entre écrans. Voilà. C'est bon, je suis revenu. Alors, 12 ans CE2, j'ai sauté une classe. Ouais, bien sûr, Kevin. Fais gaffe quand tu vas à la messe, du coup, Kevin. Horrible. C'est vraiment horrible. J'ai pas compris. Hein? Bah, J'ai pas compris, mais je crois que c'est peut-être mieux. Oui, c'était une blague de merde d'actualité. Ok, non, mais j'ai compris. Ah, t'as compris, Attends, voilà. 20... Yuma qui dit 22 ans, niveau officiel. Première, j'aime pas l'école, sinon j'aime dessiner depuis mes 6-7 ans. Trop bien. Ok! Et bah, c'est cool! Mais c'est vrai, JPP. Ah, t'as sauté une classe? T'as 12 ans? Ah. Ah, oh là là, cette blague horrible. Et ouais, effectivement, c'est une blague horrible. Ça s'entend dans ta voix, Kevin, que t'as 12 ans, en Ouais, c'est fait. vrai. T'inquiète. En fait, il nous a pas dit, mais il fume énormément de clopes. Quel troll. On donnait pas, mais elles sont méga acides. Ouais, cette blague horrible que Camille ne comprend pas, effectivement, ouais. Mais elle l'a compris, Non, hein. si, si. Elle l'a très bien compris. J'ai compris. T'inquiète, elle comprend très très bien, Camille. T'inquiète pas. Merde. Pourquoi les yeux, ils marchent pas là? Pas dessiné sur les yeux.
Attendez, parce que. Je vais absolument pas prendre les yeux. C'est un peu flippant. Bon, je m'occupe des ongles d'abord. Bon, moi, du coup, j'ai un nouveau projet en plus du site pour mon père. D'accord. Parce que, en suivant mes cours, j'ai appris à coder un truc. Et du coup, c'est genre de me faire un genre de carte de visite virtuelle. Ouais. Que je rajouterai sur mon WordPress. En fait, mais vraiment, c'est un truc vraiment tout con. Hein. C'est un truc de base. Mais je voudrais que ça soit joli. Et en fait, il y a un outil dans le code pour ça. Donc voilà, avec ton image et tes liens, avec des trucs vraiment jolis, tu vois. D'accord. Et pourquoi pas en faire un genre de portfolio, ou je sais pas quoi exactement. Enfin, ou que ça mène à un genre de portfolio, je sais pas encore, mais voilà. D'accord. C'est un tout petit projet parce que normalement, ça devrait pas être trop difficile à faire. Ah bah ouais, ouais. Je suis plutôt contente. Je pense que c'est... Mais c'est bien, faut se lancer des petits objectifs aussi comme ça. Voilà, c'est ça. Mon père, il était trop content quand je lui ai dit que j'étais en train de coder pour lui là. Trop bien. Il était refait. Alors, les messages. Non, attends, j'ai raté. Alors, fais voir, tu disais. J'avais pas trop le soutien des gens autour de moi, et puis mes expériences ont fait que j'avais pas la motivation de dessiner, mais j'ai continué de temps en temps à travailler ça. À l'école, c'était mon seul moyen de m'échapper de la réalité. Oh, c'est qui dit ça? C'est Yuma. Oh. C'est vrai que souvent, toi, Yuma, c'est comme ça quand on commence à dessiner au collège. Besoin au d'évasion. Ouais. C'est vraiment un moyen de s'échapper, quoi. Moi, j'écrivais beaucoup quand j'étais au collège et au lycée. C'était comme ça que je m'échappais. Des fanfics. Non, pas forcément. Enfin, oui et non. Oui. Mais du coup, un jour, et c'était pas une fanfic que j'écrivais, mais c'était un truc à la con. Et un jour, en gros, j'avais fini mon DS. Ouais. Et du coup, bah, genre, j'attendais l'heure à laquelle on avait le droit de sortir. Parce que tu sais, comme j'ai toujours fini mes trucs en avance, oui. Même si j'avais pas forcément des bonnes notes, hein, loin de là. Ouais. Mais je finissais en avance et c'était niqué en fait. Je pouvais pas faire plus, quoi. D'accord. Et du coup, bah, j'écrivais, mais genre, je remplissais mon brouillon et des fois, genre. Des paroles de chansons qui existaient ou quoi, mais genre juste j'écrivais. Et un jour, il y a la surveillante qui m'avait chopé mon brouillon. D'accord, elle l'avait lu à haute voix. Et je m'étais fait. Non. Ouais. Elle était gentille. Enfin, elle était gentille. Mais je m'étais fait engueuler, genre fais ton DS, mais j'étais là, mais meuf, j'ai fini en fait. Ouais. Et alors que maintenant. Ouais. Ça se passerait pas pareil, parce que tu dirais, bah je fais ça pour me concentrer ou machin, on te laisserait tranquille quoi. Ouais. Mais là, t'avais même pas le droit de griffonner pour. Te concentrer quoi. Moi il y avait un truc qui m'avait marqué dans ce genre là. Ouais putain c'est méchant. Qu'est-ce que je voulais dire? Un truc qui m'avait marqué dans ce sens là c'était quand j'étais au je crois que c'était grande section. Ouais. Une des ATSEM, enfin je sais pas si. Non, il y a pas d'ATSEM. Ouais, mais. Si, c'est les ATSEM, en mais à l'époque ça s'appelait pas ATSEM. Histoire. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelait. Et ben une des ATSEM, elle était venue vers mon dessin et elle avait redessiné par-dessus un truc trop moche. Genre j'avais fait un chat et elle était venue, elle avait fait une énorme boule sur la queue du chat. J'avais fait c'est comme ça qu'on fait le chat et tout. Et j'étais trop. Mais what the fuck? J'ai fait mais what et tout. Elle avait bousillé mon dessin et j'étais. Je me rappelle, j'avais la frustration horrible. Bah que oui. Quelqu'un qui avait rien à voir était venu me bousiller mon dessin, tu vois. C'est horrible. Et j'ai fait, mais quoi? Pourquoi elle a fait ça? Ça, elle était frustrée, je sais pas. Bah ouais. Alors du coup, Yuma qui dit, ah l'écriture c'était super, ça aussi quand j'avais des idées. Ah bah ça. C'est vrai qu'il faut avoir l'idée. Bousille-lui sa vie. Ah ouais, c'est ouf hein. Oui. What the fuck? Moi je m'étais faite. Et alors ça m'a traumatisé vraiment de ouf, mais en maternelle justement, je sais pas quelle classe c'était, je pense que c'était petite section. Ouais. Je sais plus. Je m'étais faite engueuler. Parce qu'en fait on faisait genre en peinture, on devait faire du gris. Ouais. Mais j'ai dû déjà le raconter. Et en fait il fallait faire genre
il fallait qu'on fasse genre une bande noire et par-dessus, et enfin en l'horizontale, ouais. Et qui croisait une bande blanche par-dessus. Ah oui, tu m'avais raconté ça. Ouais. Moi j'avais fait l'inverse et je me souviens encore, je m'étais faite engueuler de ouf parce que j'avais fait l'inverse. Mais c'est horrible en fait. Mais oui, c'est surabusé. C'est horrible. Et ben pour que je m'en souvienne encore, franchement. Surtout qu'aujourd'hui, on dessine mieux que ces personnes-là. Bah oui, déjà. Des petits traumatismes d'enfance. Vous avez eu des traumatismes d'enfance de ce genre-là? Ouais, parce que ça, c'est pas un gros traumatisme. Genre des trucs dont vous qui vous ont marqué à l'école, mais genre pas des gros traumatismes. Bah ouais. Parce que bon, ça, c'est pas non plus. Et puis c'est peut-être un petit peu perso, les gros. En plus, oui, voilà. Genre des moments où vous êtes fait engueuler et vous en souvenez parce que bon. Et vous avez fait what? Sérieux? Ouais. Mais ça a été vraiment mon premier genre what? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors. Oui, il m'a dit je peux pas en parler, effectivement. Non, mais aucun problème. Il y a des trucs à l'école qui sont genre trop forts pour. Kevin qui dit oui, le curé. Ah. Ah. Ah, moi j'ai eu un autre traumatisme, mais enfin c'est pas vraiment un traumatisme parce que voilà, mais je m'en souviens très bien. Mais je l'ai déjà raconté. C'était mes cousines qui m'avaient fait croire que l'ami de mes grands-parents qui était curé voulait me kidnapper. Oh, mais c'est horrible, c'est horrible. Et ouais. Et en fait, genre on en reparle des fois, on en rigole parce que j'ai pas été traumatisée, mais je m'en souviens. Ouais. Et du coup, ouais, à chaque fois, elles me disent putain, mais c'est horrible ce qu'on t'a fait, on aurait jamais dû faire ça. Bah. Mais clairement. Mais elles se rendaient pas compte, elles étaient ados quoi. Elles étaient jeunes ados, elles se rendaient pas compte. Putain. Et elles regrettent de ouf d'avoir fait ça. Mais bon, voilà, ça m'a pas marqué. C'est tellement horrible. Eh bah, lui là, il veut te kidnapper. Quoi? C'était. Ouais. Oula, d'accord, le bras il est là. Mais bon, ouais, le collège-lycée, ça a pas été une bonne période pour tout le monde. Non, c'est clair. Bah, moi, collège, c'était nul, hein, comme je disais la dernière fois. Ouais. Mais lycée, c'était cool. C'est vraiment cool. Moi, je pense que ça aurait pu être pire, mais c'est vraiment pas... Tu vois, je vais pas dire genre... ouais, c'était cool, quoi. Ouais. Ça aurait pu être largement pire, mais c'est vraiment pas ouf quoi. Mince, c'est pas le bon calque. Heureux les blondes roses, ça va, t'as étendu ton linge? Ah non, moi, c'était dans le sèche-linge. En fait. C'est vrai que c'était dans le sèche-linge. Ouais, ça a bien avancé, hein, t'as vu? Yuma qui dit, et ça se comprend à 100%, je veux pas parler de ma vie trop de négatif, je veux rester dans une bonne ambiance. Bah oui. Ah, mais aucun souci, hein. On n'a pas forcément envie de remuer le couteau. Mais par contre, alors dans ce cas-là, au lieu de parler des traumatismes, est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous vous êtes dit, en fait, ça a été le déclic de pourquoi je fais du dessin ou de pourquoi j'ai cette passion-là, pas forcément le dessin, mais... Genre, tu te dis, putain, en fait, c'est ça que je veux faire. Et c'est quoi qui est... L'a déclenché. Ouais. Moi, je pense que c'est... précisément de faire infographiste 3D, ça a été quand on m'a offert le DVD de Monstres et Compagnie. Et du coup, vraiment, je l'ai poncé de. Et... Ouais. Je l'ai poncé, c'était trop bien. Tu sais, les bonus qui expliquent un peu comment ils ont fait et tout. Je dis putain, mais je veux faire ça, moi. Ouais, putain. Ouais. Donc, vraiment. Moi, je sais même pas. Les blondes roses, il dit bah c'est que j'ai besoin de mes vêtements, je suis interne.
Donc il me faut ma semaine de vêtements. Ah bah oui, effectivement. Il y a Yuma qui dit: j'ai peut-être trouvé un traumatisme pas trop grave. Vas-y, vas-y. Quand ma mère m'a avoué qu'on commandait pas des enfants sur la Redoute. Oh! Tu pensais que le catalogue de la Redoute c'était c'était du trafic d'enfants? Non, que c'était comme ça qu'on faisait les bébés, entre guillemets. D'accord. Je pense. Je me trompe. Dis-moi si je me trompe. Hein. Du coup, ta je maman était institutrice ça. Ou était fonctionnaire? Pourquoi? Parce que la Redoute c'était. C'était. Mais non. Ouais, ah non, c'est les trois Suisses ou. Je crois que si. Mais c'est... non, c'est des trucs de linge. De linge oui, de maison. Oui, oui, mais il y avait un truc, c'était uniquement pour les. Il y a eu une période où c'était uniquement pour les fonctionnaires. C'était soit les trois Suisses, soit la Redoute. Ouais, ouais. What the fuck? Quand le Père Noël existait. Après, ça a été ouvert à plus, mais à la base, c'était un truc exclusif pour les fonctionnaires. Ah ouais? Ouais. Mais je sais plus lequel c'est, de tous ceux qui existent. Ça me dit rien, cette histoire. Alors. Mon nom est Gladiateur. J'y croyais. Non, elle était au lycée quand je suis née. Puis chez Kessia, chez Castorama, je crois. Ok, ok. D'accord. Oh, mon dos, il vient de craquer d'une manière anormale. Ouais. Alors, de la lumière maintenant. De la lumière. Bon, celui-là, je peux dire sans aucun doute que ma mère, elle va pas forcément beaucoup l'aimer, ce dessin. Bah moi, le casque, moi non plus, je pense, ouais. Pareil. Ah ouais. Ma mère, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas? Mon déclic s'est fait tôt. J'avais une fascination pour les illustrations, pour les cartes Pokémon. Ah! Mais... stylé! Bah du coup, ça tombe bien que je suis en train de dessiner des Pokémon. Alors. Ah mais oui, je suis con. On est là? Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas ce que c'est comme musique, mais c'est de la merde. heureusement, c'est la dernière. Ah, c'est le rap de Donkey Kong. Ok. Ah. Et maintenant, on va s'occuper du bidon. Du guidon. Le bidon. Le bide. Le bide du Ronflex. Oh Alex, coucou. Et Alex, merci pour ton 8e mois d'abonnement. Alors pour qui? Oh. Alors, beaucoup, Kevin, Alex. C'est quand il a vu au cinéma Mon nom est personne. Mmh. Il a marqué beaucoup de gens. Hein. Mon collègue aussi, il a marqué énormément de gens, ce film. Alors, Alex, tu penses quoi de mon petit Ronflex? Et de mon petit mystère de... trop gros. Ouais, c'est bien. Moi, je suis pas d'accord, le mystère va dû se faire trop mal. Ouais. Mais non, ça rebondit. Kevin dit c'est trop joli. Merci. Merci beaucoup. Et Alex,
Va voir si t'arrives, si t'as le badge. Merci Alex, c'est gentil. Va voir si t'as le badge maintenant des abos, tu sais, comme t'es au 8e mois. Est-ce que je peux faire en sorte... Comment on fait déjà? Je vais tenter un truc. Activer le masque. Non, c'est pas ça. On voit ça où? Si t'es sur ton portable, c'est genre... Attends. Là, il y a trois petits points dans le chat. Et après, tu cliques. Là, il y a ton pseudo et tu fais genre identité, tu cliques sur ton pseudo et tu choisis ton badge. Ah, trop cool, Alex est Alors, dispo demain, Stardew. les blondes roses qui disent, alors je ne sais pas, j'ai toujours plus ou moins dessiné dans mes souvenirs à l'école primaire. J'étais par terre à dessiner en attendant que les grilles ouvrent. Je me rappelle en petite section et en moyenne section que j'avais dessiné une girafe et un autre élève m'a dit que ça ne ressemblait pas à une girafe. Et du coup, il n'est plus de ce monde, n'est-ce Est-ce que là on pas? dirait... Ça, Ah c'est ouais, des on petits dirait que ça se traumatismes, c'est horrible secoue. ça. Ça fait partie des petits traumatismes, c'est vrai. Est-ce qu'on dirait bien que son visage s'enfonce dans le bide? Dans le bide du Ronflex? C'est dans Identité de discussion. Oui. Si tu ne l'as pas encore, c'est à cause... Ah, je sais pas, attends, on va voir. Ils sont chiants Twitch, je comprends pas pourquoi ils font pas genre Il met du temps. rattraper. Ouais. Enfin, tu vois, genre. Ouais. En fait, si t'as pas genre. Enfin, si tu t'abonnes et que tu fais les badges après, genre si t'en es au 7e mois, alors qu'il devrait y avoir un badge pour le 7e mois, et que Ouais. du coup tu passes au 8e mois, ou l'inverse, je sais plus, enfin non, c'était 6, 9, je crois. Ouais. Et bah, du coup, t'as rien pour 7 et 8 alors que tu devrais Tu avoir le l'as badge du sauté. 6e Ah mois. oui, ça t'a... Oh putain. Mais oui, c'est super chiant. Faudrait peut-être leur dire que ça se fait trop pas. Tu fais, eh oh, ça se fait pas. Ouais, ça se fait trop pas là. Oui, et ben aujourd'hui, je l'ai retrouvé et nous allons l'interviewer et lui demander ce qu'il pense de la show. Ah bon? What the fuck? Alors là, ok. Quoi? Alors le gars qui t'a dit que c'était pas une girafe? C'est fou ça. C'est pas ça que je veux. C'est ça. Je veux montrer. Mais c'est compliqué. Je veux montrer que là, il y a de la profondeur. C'est très dur. Et le plus fou des fous est là aussi! Trop bien. Comment ça va, les gars? On va dire que là c'est bon. Wesh, mes petits potes à la compote. Ok. Ah oui, non, je On vais peut-être récupérer ça. ouvre le vide du Ronflex. Ça en fond. C'est pas mon historique ça? Si. Eh ben écoute, moi ça va bien, ça va très très bien. Je suis en train de faire mon dessin d'Inktober, je rattrape mes dessins d'ailleurs d'Inktober. Le petit retard que j'ai accumulé parce que j'étais un peu en off ce week-end. Ah, c'est marrant aussi ça. Ah, mais ça fait du bien d'être en off, hein. Ouais, ça fait quand même un peu du bien. Je pense que je ferai un jour de off par semaine quand même. Parce que là, on a quand même fait peu de jours de off. Bah, en fait, ça c'est à cause de Linktober. Hein. Ouais. Parce que des fois, Ah genre, oui. on stream pas. Genre, on stream pas toujours, par exemple, en rentrant du boulot. Ouais. Mais là, si, du coup. Et du coup, on est Enfin, un peu quasiment. fatigué.
Ouais. Ouais. Bah déjà que le boulot c'est fatigant. Ouais. Si tu rajoutes le stream, c'est sûr. C'est ça. On est quel parfum? Wesh wesh canne à pêche. Ah oui, attends, mes petits potes à la compote, c'est ça la réponse que tu as eu. Ah oui. J'aurais une question pour tout le monde, je vais lancer mes paris. Alors, quels sont les signes astrologiques? Pour Fabien, je dis Cancer, Capri Sun, ou Capricorne, du coup, ou Bélier. Et Cam, je dirais Lion ou Verseau. Ah, alors. C'est qui qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est les blondes roses qui dit ça. Pourquoi ces propositions? Vas-y, c'est alors, super intéressant. Juste pourquoi ces propositions? Déjà, avant que je te donne la réponse. Voilà, moi je donnerai pas tout de suite la réponse et j'aimerais effectivement pourquoi ces propositions. Alors, Cancer, moi ça me. Pourquoi? Quoi? Non, tu disais Cancer, pourquoi Cancer, selon toi? Moi je trouve ça très intéressant. Et bah, toi tu es vierge, ok. Mais je pense que la question c'était de deviner qui c'est comme. Enfin, quel signe astrologique vous pensez que j'ai? C'était ça l'idée. Moi, je vous laisse en débattre. Moi, Alex n'a pas le droit de jouer. Alors. Bah Alex, il connaît. Bah oui. Mon dos. J'ai l'impression d'avoir 78 ans. Carrément, c'est chaud. Alors, attends, voilà, juste. Nouveau. Momomotus et bouche cousue. Eh oui. Alors, moi, tu dirais que je suis lion. Ok, d'accord. Oui. Le plus fou des fous, il dit que je suis lion. C'est parce que j'ai une crinière? Ça? J'attends les blondes roses, pourquoi? Sa justification. Alors, en rapport à des connaissances, vos visages, voix et prénoms, des études ont montré que l'on pouvait deviner les signes par rapport à nos proches. Par exemple, je connais trois Maureen blondes qui sont sagittaires. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu connais beaucoup de Fabien qui sont Cancer et tout ça, Capricorne, du coup. Capricorne, ça fait marrer. ou Bélier. Ok. Est-ce que je donne la réponse ou pas? Vous voulez que je donne la réponse ou on continue de chercher? Pour toi, oui. Alors, du coup, Yuma. Sagittaire pour Alex. Sagittaire, tu veux pas dire pour Fab, par hasard? Et Verseau pour Camille. Et alors, les blondes roses avaient dit quoi? Lion ou? Toi c'était lion ou Verseau. Ok. Voilà. Oui, voilà, et surtout la tête correspond bien à ces signes-là. D'accord. Alors. Apparemment on parle de toi, Alex. Ouais, tu es célèbre dans le milieu. Yuma s'est trompé, voulait dire Fab. Ah d'accord, d'accord. Yuma ne connaît pas Alex, pas non. Encore. On va dire Fab. Yuma connaîtra certainement Alex. Ouais. On s'inquiète. Alors, je donne la réponse. Là pour toi. Du coup, c'est dommage. C'est dommage parce que je suis Balance. Salut MVS, on veut la réponse. Bah du coup, je suis Balance, voilà. Je savais que t'étais une petite Salut MVS, et donc j'étais pas loin d'être vierge parce que je suis né le 23 septembre. À un jour près, j'aurais pu être vierge. Mais bien joué, hein, quand même, pour l'explication. Intéressant. Et Camille, alors, ouais, je te laisse dire. Bien, moi, je suis effectivement lion, et voilà. Du coup, je trouve ça très marrant que tu aies deviné. Parce que j'aime bien qu'on me dise que je suis bien un lion, tu vois. quand on me dit, ah, t'es bien un lion, toi. Je dis, ah, c'est vrai. Et en plus, tu y habites. Voilà, et en plus... Oh, une lionne aussi, top là. Ah, oh, toi aussi! Qui check, ça?
Yuma. Ah, c'est Yuma. D'ailleurs, Yuma, je sais pas si tu l'as dit quelque part, mais on dit il ou elle. Alors, au dernier moment, j'ai pensé balance, mais du coup, c'était trop tard. J'avais déjà fait mon prédit. Ah, ah c'est dommage. Mais bien joué quand même. Après, oh, je vais sortir une disquette à Camille. Oulala. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Déjà, cette expression, je ne sais pas vraiment ce qu'elle veut dire. Dis ça. C'est le truc de drague. C'est les blondes roses. Ah, elle, je suis ma fille. Ok, ok, ça marche. Je voulais pas faire de bêtises en disant il ou elle en rond et me tromper. Et Camille, tu ne serais pas du signe Astro-Lion? Bah, on vient de le dire. En même temps. Oui, c'est ça. Je suis lionne. Le meilleur signe, on est bien d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce mot. Une disquette? Oui, c'est vrai. J'ai cru que quelqu'un demandait si ça faisait longtemps que j'étais lionne. Ça fait longtemps que t'es lionne? Depuis ma naissance, à peu près. Et c'est une bonne situation, lionne. Bah, plutôt, écoute. Horrible, tu veux pas jouer le truc? Non, parce que j'étais concentrée. Plutôt. Non, ouais, mais c'est merci, pas ça. T'imagines, fin du plan. C'est une bonne situation, script. Plutôt. Bon. Fin du plan. Horrible. Non. Je suis frustrée maintenant. Yuma dit, c'est gentil, en général on me dit mec ou monsieur, même dans la rue ça fait mal. Bah c'est chiant, oh. C'est vrai que quand on te met genre, ouais. Hyper relou quoi. C'est super chiant. Oh merde. Après voilà, tu te dis bon, c'est des inconnus et tout, genre ils ont pas cherché à savoir, machin. Ouais. C'était pas genre pour c'était pas pour te faire du mal, c'était parce que bah tu sais ils sont, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est genre le boulanger, il peut faire son taf et tout et il a pas fait, enfin il a pas du tout voulu être méchant, mais c'est sûr que genre pour toi moi, bah, c'est sûr que j'ai fait de la caisse de supermarché et ouais, souvent on m'a appelé madame. Ouais, alors que vous avez vu ma gueule. Bon, j'avais pas de barbe, hein. Oui. T'es encore petit. Ouais, j'étais encore petit. C'est vrai que ça fait parce que, très plaisir. Vous nous dites. Un bon 13. Alex, il note la disquette en tout cas. Il dit et un bon coup, 13. Et du coup, mais c'était quoi la disquette? Bah, c'était genre. Camille, tu ne serais pas du signe astro lumineux par hasard? Ah, d'accord. La pire. Ça la, va. Ouais, bof. Non, mais je veux dire, en termes de catchline, bon. Oui, bah. C'est pas genre. On se dit pas, tiens, je me fais draguer quand on me dit. Est-ce que t'es lionne? Ah, si, moi, direct, ouais. Hein. Moi, je déconne. Moi, c'est. No way, mec, arrête de me draguer. C'est le truc qui est là. Direct. Je suis même pas trans, MDR, je suppose que c'est parce que je suis laide. Bah non, c'est juste parce que les gens, ils font pas dire. Ouais. Aussi, il faut le dire, parce que les gens sont sacrément cons. Il faut le dire. Bon. Les gens sont cons, c'est vrai. Voilà. Après, une fois que t'as cette information, tu te dis bon. Il est juste con. Mais je trouve que quand on sait pas, et bah, il vaut mieux juste fermer sa gueule, en fait. Exactement. Tu vois, au lieu de juste dire bonjour monsieur, bonjour madame, en fait, bah, tu dis juste bonjour. Oui, ça serait bien que il y ait un pronom personnel qui soit sans genre, oui. Pour certaines phrases, parce que du coup, des fois, tu es obligé d'utiliser il ou elle. Et bah, il y en a un. Vas-y. Il y en a un maintenant, c'est que les gens concernés utilisent. Attends, excuse-moi. C'est IEL, ça s'écrit IEL. Yel, la chanteuse. Ouais. Okay. Et comme ça, bah, tu blesses personne. Bonjour, être en vie. Ouais, c'est vrai. Tu dis bonjour, être de vie. En anglais, ils ont un truc tout prêt. Ils l'ont, il existe. Bah oui. C'est them.
Ouais. Et nous, on l'a pas. Et en français, et bah du coup, voilà, On en on souffre. utilise IL. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un truc genre officiel, mais c'est ce qui se passe pour que les gens ils se sentent mieux, quoi. Ouais. Et du coup, si tout le monde dit que les gens sont cons, on l'est tous, non. Ah bah oui, on est Et tous bah le con de quelqu'un. fatalement, oui. On est, voilà, exactement, on est tous le con de quelqu'un. C'est beau. Ça bouge maintenant. On ne peut pas plaire à tout le monde. I don't speak Moi English. Zem? j'aime bien Ouais, c'est Zem, je crois. cette idée de ouais, d'M-T-H-E-M. Ouais. J'aime bien cette idée d'un pronom neutre en fait. Ouais. Ça Parce pose vraiment de soucis. que bah oui, et Il y puis on aura n'a pas toujours forcément des connards ouais. qui vont râler, mais bon. Bien sûr. Et puis je veux dire, on n'a pas forcément à savoir si telle ou telle personne est un homme ou une femme. En fait, la raison pour laquelle des fois on se demande, bah, enfin moi, les fois où C'est je un me biais. demande, c'est juste parce que j'ai pas envie de me tromper en lui parlant et en vexant la personne éventuellement, tu Ouais. vois? J'ai pas... Et du coup, c'est la seule raison pour laquelle des fois je me dis, putain, mais en fait, est-ce que c'est un homme ou une femme? Mais en fait, on a... Je veux dire, à partir du moment où on a un pronom neutre pour désigner cette personne, et ben, on n'a pas besoin de savoir si c'est un homme ou une femme, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Il y a les blondes roses qui demandent, à votre avis, elle est de quel signe astrologique? D'ailleurs, j'ai dit elle, de par ton pseudo, mais peut-être que je me trompe. Je dis elle, il ou elle. Et d'ailleurs, oui, du coup, quel signe astrologique? Alors, en général, les personnes qui demandent des signes astrologiques, c'est des... Ouais, poisson, je sais pas. Non, je sais pas, je sais pas. C'est trop dur comme ça. On te voit pas, on sait pas à quoi tu Ouais, c'est ressembles, on peut compliqué, pas hein. trop savoir. Je Malan, pense que c'est plus facile pour toi que pour moi. Maolan, tu me traites de ton. Elle dit, oh. Parce que il a dit poisson. Non, de carcoy. Ah ouais, c'est mignon, une carcoy. Allez. Ah. Petit contrôle. Ouais. Avec une petite incruste. Voilà, ça fera du bien. J'aime bien cette couleur là. C'est joli, les carcoy. Ouais. Ouais. Écoute, moi je dirais, à la limite, scorpion. Moi c'est drôle parce que j'avais dit poisson comme Alex, alors si ça se trouve c'est vrai. Ça se trouve, c'est possible. Moi je dirais scorpion quand même. Mais j'y crois pas, hein, à tout ça, mais. Ça me fait marrer des fois d'y jouer. Oui, j'estime que chacun croit ce qu'il... Je rentre pas là-dedans, je m'y connais pas, je sais pas. J'aime bien des fois qu'on me dise des trucs. En fait, j'aimerais qu'on m'explique comment ça fonctionne, là. Oui, parce que c'est... Alors, j'en sais rien, je veux pas dire de Parce qu'en fait, conneries, mais ça je crois... justifierait que c'est une science. C'est Si, une si, histoire si. d'influence. En fait, tu sais, comme on dit que la Lune... Elle a une influence sur nous. Ouais. Parce que tu sais, les marées et tout ça, et que nous, on est constitués d'eau. Ouais. Ah, et bah, du coup, on estime que les planètes Oui. ont une influence sur nous. Et du coup, selon ton signe, et ben, telle ou telle planète ont telle ou telle influence sur toi. Et je suis certainement en train de raconter des grosses conneries. Mais moi, c'est comme ça que j'avais compris. Non, mais c'est exactement ça. Mais moi, du coup, j'ai un peu du mal à imaginer qu'une planète qui a des années-lumière t'influe Ouais. sur ton caractère, mais. Oui, mais déjà, genre, enfin, oui. Mais voilà, la Lune qui influence les marées, donc voilà, donc tu Oui. vois. J'en sais rien. Mais tu Mais vois, par contre, souvent je vois. moi j'aime bien y jouer, enfin moi, Oui. voilà. Mais ça reste Mais uniquement un jeu. je
Je vois souvent en ce moment sur TikTok, c'est genre vous êtes de mauvaise humeur, tout va mal, c'est normal, c'est parce que Saturne et machin, nanana, mais c'est bientôt fini. Et t'es là, quoi? Et genre tout le monde dit ça, et t'es là, ok. C'est un peu, ouais, c'est bizarre. Et d'ailleurs, justement, l'autre jour j'ai vu ça, et je vois genre tout le monde est en train de dire que vous inquiétez pas, c'est bientôt fini parce que machin, Alors, machin. ouais, ah oui. Et après, genre, mais il y a ça qui arrive, alors ça va être encore pire, et c'est là, ah, yes. Aïe, 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 aïe. Du coup, je vais un peu aux anecdotes du coup de Les Blondes Roses. Donc elle dit qu'elle est il ou elle, je sais pas. C'est un être de 1,65 m au garrot. Elle Oui. est il, enfin il ou elle est très Yel, sociable. tu peux dire Yel du coup. Yel, Yel Bah, et. est soit très sociable, soit associable. D'accord. Ok. Sinon en amour, comment ça va? Yuma qui dit, faut pas se cacher derrière les signes astro. Oui, C'est vrai qu'il faut non, pas rester coincé c'est en ça. disant c'est mon caractère parce que je suis comme ça. C'est clair. Tu as totalement raison. Moi je Oh pense que yes! ça, en fait, Laisse-y la télécharger New World. Ça marche avec pas de soucis. ça serait horrible en fait que toute ta vie elle soit régie par juste que t'es né à tel moment. Oui, c'est vrai. Ça serait trop dommage. Bah ouais, ou par. Alors ça c'est drôle, ou par ton prénom. Tout à l'heure j'y pensais. Et parce que mon deuxième prénom c'est Rebecca. Du coup je me disais, tiens, est-ce que j'aurais vécu pareil si je m'étais appelée Rebecca? Ah oui, par contre les prénoms, ouais, plus, ouais, je suis d'accord avec toi. Les prénoms, ça t'influe plus par contre sur ta personnalité, je pense. C'est ouf. C'est Et moi clair. je me suis dit, putain, est-ce que vraiment j'aurais eu la même personnalité si je m'étais appelée Rebecca? Camille, je crois que c'est un des meilleurs prénoms hein, qui existent sur Terre. Je crois. Si, non, mais si on devait noter les prénoms, je pense que Camille, tu serais dans le top. Pour de vrai, hein. Toutes les Camilles que j'ai connues, excellent. Hein. Oh, top, Au hein, top. 20 sur 20. Top à la vachette. 20 sur 20. Alors, attends. Donc, les blondes roses, c'est pas poisson ni scorpion. Camille, c'est le meilleur prénom. Ah, du coup, vraiment. Wow. C'est-à-dire C'est qu'elle gentil. s'appelle il ou elle. Yel s'appelle Camille. Ça marche encore. Ah! C'est tout, ouais! Du coup. Oui, puis en plus, tu peux même pas savoir si c'est une fille ou un Bah garçon, parce oui! que. Oui, c'est genre C'est pour ça que je vraiment. dis ça. Trop drôle. Non, mais bah, alors dans ce cas-là, un petit peu qui change du tout au tout, bah, c'est soit Balance, soit Gémeaux. Du coup, pour les blondes roses. Non, mais moi, je m'y connais pas. Yuma qui dit toutes les Non, je m'appelle pas Mathilde Camille, slash d'accord. Mathilda que j'ai connues étaient méchantes. Toutes les Mathildes? Alors moi, Mathilde et Mathilde. Moi, j'ai connu une Mathilde. Alors, j'en connais pas beaucoup des Mathildes, mais j'en ai connu une que vraiment, j'ai beaucoup aimée. Mais bon, après. Bah Ça dépend, Camille! ouais. Ah, tu aimes les Mathildes? Non, bah après, non, moi j'ai. Honnêtement, non, moi Mathilde, vraiment très bonne personne. Julie aussi. Les Julie en général, c'est jamais déçu. Je suis jamais déçu. Les Marion aussi. Julie, ouais. Non? Yuma qui dit ma meilleure amie au collège s'appelait Camille. Ah bah, Oh. c'est pour ça. Oui, je suis Gémeaux. Beaucoup aimé. Ah, le beaucoup aimé de Les Blondes Roses. Comme t'as dit, beaucoup, j'ai beaucoup aimé. C'était quel prénom? Cam? Pardon? C'était quel prénom que t'as beaucoup aimé? Ma pote qui s'appelait Mathilde. Bon, après, je ne connais pas beaucoup des Mathilde, donc je ne peux pas juger, mais j'avais une pote qui s'appelait Mathilde qui était vraiment gentille. D'accord. Sinon, après, moi, les prénoms, j'en vois tourner beaucoup hein, Ouais. dans mon métier. C'est vrai. Donc Yel et Gémeaux. Je suis pas satisfaite à 100% de ce que j'ai fait là. Tu
pas obligé de faire tout et toujours des trucs. Maintenant, tu peux me dire, tu veux venir ton genre si tu veux ou pas. Parce que j'en ai marre de dire Yel. Oui, mais c'est bien aussi. Peut-être que Yel a pas envie de dire son nom. Non, mais c'est vrai. Son genre. C'est vrai. Peut-être. Tout à fait. Possible. Ça fait marrer cette personne. Mais c'est pour t'entraîner. C'est trop dur. Il me dit, j'allais dire, ou elle me dit. Bah, tantôt tu seras, ça sera il, tantôt ça sera elle. Je vais alterner. Super. Bon, si tu veux. Et bah, pas de soucis. J'alterne. C'est pas mal comme ça. Un peu plus. Je vais tenter un truc. Vos Pokémon favoris du couple. Ah, c'est dur comme question. C'est très très dur. Moi, ça va pas être très original. C'est Pikachu. Non, je suis pas sûr que c'est Pikachu en vrai. Attends, moi, il me faut un temps de réflexion. Tu parles vraiment du. Si tu parles pas genre du jeu Pokémon, tu parles vraiment du Pokémon. C'est quoi mon Pokémon favori? Qu'est-ce que ça serait mon Pokémon favori du couple? Qu'est-ce que ça serait mon Pokémon? C'est dur, je trouve que c'est vraiment dur. Je sais pas du tout. J'ai pas d'idée vraiment. Si, moi je l'ai trouvé. Je sais pas du tout. À votre avis, suis-je un mâle alpha ou une warrior? Honnêtement, je pense que tu es une warrior. Moi j'ai envie de dire une warrior aussi. Bon, je reviens, je vais manger. Oh bah non, elle nous laisse vraiment. Ici. Elle te laisse. Non, non, j'ai dit que j'alternais. Il va manger. putain, Pokémon Fab, c'est tellement dur. Moi j'ai fait une blague visuelle, mais il y avait personne qui regardait mon live. Oh non. Suspense. Eh ben suspense, c'est pas de soucis. De toute façon, il me reste encore 3 dessins, donc j'attends que tu reviennes. Bon appétit. Bon app. Alors, moi je suis. Attends, je suis en plein dilemme. Alors écoute. Moi du coup, je l'ai donné mon Pokémon favori. C'est qui? T'as entendu? Bah, fallait regarder. Non. Mais en vrai, c'est pas spécialement mon Pokémon favori parce que en vrai, je les aime beaucoup. Mais du coup, je passais mon petit. Tu sais, les mini Lego là que j'avais. Ah oui! Et du coup, j'ai passé. Ah putain, en plus, voilà. Je l'ai même plus. J'ai un trou de mémoire. Le bébé Tortank. Carapuce, merci. Voilà. Et je passais Carapuce comme ça devant la caméra pendant que je réfléchissais. Moi j'ai envie de dire celui que je trouve un des plus beaux Pokémon pour moi, mais vraiment des plus beaux, c'est Suicune. De la deuxième génération, du coup. Ouais. Je trouve mais si beau. Il est magnifique. Après. Plutôt deux fois que Suicune. Plutôt. Moi, je connais pas vraiment les nouveaux Pokémon. Tu vois, j'y ai joué. Mm-hmm. Mais j'ai jamais retenu comme j'ai retenu ceux de mon enfance. C'est honte, je me suis... C'est honte. Bah, moi aussi. Hein. Bah oui. Moi, j'y ai pas joué. Ouais. Oui, bah ouais. Moi j'adorais Goopix. Mais c'est dur encore, c'est pas. Ouais, c'est des vieux Pokémon. Ouais. Ah si, quand même, moi j'aime bien Evoli quand même.
Ah oui, Evoli. Evoli, c'est un de mes préfs quand même. Bah ouais. Il y avait plusieurs facettes. Ah, j'ai tenté et j'ai bien aimé. J'aime bien ce que ça donne, ça, comme ça. Et toi, du coup, Yuma, c'est quoi ton... Ah ouais, Yuma. C'est quoi ton Pokémon... C'est qui ton Pokémon préféré? C'est tellement dur de choisir. Mmh, c'est clair. Ça a été dur pour vous, Nair. Moi aussi, j'en aime trop, mais mon favori, c'est Loup-Garrock. Alors, attends. Loup-Garrock, c'est... Alors là, tu me dis Attends, moi j'essaie de deviner. Attends. Je ne connais pas du tout Loup-Garrock. Donc, j'essaie de deviner la forme qu'il a, ok? Vas-y, je vais pouvoir te dire oui ou non. C'est un loup. Il ressemble un peu à un loup. Il a une sorte de museau, un peu de chien, on va dire. Et il a une guitare électrique dans les mains. Il fait c'est Loup-Garrock. Ou alors, c'est un loup-garou en pierre. Enfin, c'est un loup en pierre. Bah, bien joué. Alors, bon, c'est effectivement un loup qui est un peu rock, mais il n'y a pas de guitare. Ah, mais c'est vraiment, il est vraiment rock? Il est un peu rock and roll. Ah ouais? Il a un peu la coupe de Nicolas Sirkis. Sérieux? Attends, je vais voir. Loup-Garrock. Ouais. Ah ouais? Non, pas tout à fait. Ah bah il a un peu la coupe de... Ouais mais c'est vrai qu'il est un peu rocker. Il a trois différents. Il est un petit peu... Ouais, il est stylé en vrai. Alors attends. Ouais, je vois les trois. Il y en a un qui a quatre pattes, un qui a deux pattes. C'est les couleurs. Il y en a un gris, un bleu, un orange, c'est ça? Ouais. Ah non, shiny, c'est le bleu, pardon. Ah mais c'est son... Ah oui, ok. Il est stylé. Il a les côtes apparentes que j'aime moins bien. Oh, merci beaucoup. Alors... Merci beaucoup, Ryan. Pas ou alors, ah non, ou alors c'est des griffes de, sur ses poils, je sais pas trop. Merci beaucoup, Ariane. Je pense juste que ses poils sont un peu en effet piquants. Enfin, pas piquants, mais. Ouais. Genre hirsute. 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 J'ai hâte qu'Alex revienne et me dise si New World fonctionne bien. Mmh. Hop, alors... Merci beaucoup, Ryan. Et bah comme ça, je l'aime bien. T'en penses quoi, Camille? Lumière? Je vais bien voir. Bon, voilà, désolé, je t'allais manger, mais pas de soucis, Alex, pour bien manger. Moi, je vais aller te voir aussi, Cam, en attendant. Alors, actualiser. Ah, surtout des tours d'amour et de joie. Attends. Ah, je suis de retour pour vous faire jouer un mauvais tour, surtout des tours d'amour et de joie. Oh, c'est mignon. Oh oui! Ouh, c'est méga stylé, dis donc. Attends. Il est sympa le tien aussi. Merci. Il est vraiment très stylé ce casque. Merci. Par contre, il y a un truc bizarre avec le tien de dessin. Quoi? Il s'est vraiment. Il est encastré dedans? Oui, c'est ça, sa D'accord. tête est enfoncée dans son guide. Parce que tu vois, il y a un petit décrochage en bas du mystère. Oui, il faut que je... Et ça, ça me perturbe un peu parce qu'on dirait vraiment qu'en fait, il lui a croqué un bout de son bide, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je gamme un petit peu sa tête du mystère. Ouais, voilà. Mais sinon, non, c'est plutôt le bide du... Ah bah non, je veux que sa tête, elle rentre dans son bide, en fait. Ouais, mais dans ce cas-là, fais un arrondi au niveau de... Parce que là, en fait, on dirait vraiment que c'est un... il a croqué dedans. Oui, voilà, c'est pour ça. Ouais. Quand je dis faut que je gomme un peu plus, c'est ça, en fait. Ouais. Et le problème, c'est que si je fais trop un arrondi, bah en fait, ça se voit plus du tout. Ah non, je parlais pas de là. Je parlais pas d'ici. Ah non, tu parles de quoi? Attends, vas-y. Ah non, mais alors, tu sais pourquoi? Ah non, mais alors, ça, c'est très simple. Attends. C'est juste mon contour que je viens de faire. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Attends, essaye de pointer. Oui. Attends, j'attends de voir. Ah là, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est parce que je suis en train de faire le contour. Voilà. En fait, j'ai fait le contour. Ouais. Alors, pourquoi je peux pas l'enlever? Ah, c'est parce que c'est pas mon pinceau. Voilà, C'est c'est parce ça. que j'ai fait le concours et le contour. Le concours? Oui. Et que je me suis mal prise, j'ai pas fait attention. Bon, je vais retravailler un peu les cheveux parce que là, ils sont n'importe quoi. C'est n'importe quoi les cheveux. J'ai Ryan qui dit le tien est plus mignon que celui de Fab, mais celui de Fab il est pas fait pour être mignon. T'inquiète, je ferai un truc mignon là. Le prochain dessin, c'est un truc mignon. C'est quoi qu'on a là? Le deuxième dessin? C'est quoi déjà? Je sais plus. Attends. Attends, ça va revenir, mais j'ai vraiment. C'est compas. Ah oui, je vais te faire un truc mignon. Le prochain, il sera super mignon. Il a bouilli mon cerveau. Il sera turbo mignon. Re-Alex. Alexaouille! Bon, j'ai réglé les paramètres et je suis allée jusqu'à la création de perso stylé. En vrai, Alex, si tu as envie. Alors attends. Ça y est, ça va m'abandonner, ça. Ça, c'est chiant. Je sens Non, que non, non, je ça voulais va pas aller. venir du tout maintenant. Non, non, c'est Non, pas ça que je voulais dire, t'inquiète pas. T'inquiète pas. mais Non, je j'allais rigole, dire, fais ton. je te taquine. T'es trop mignonne. Non, j'allais dire, Alex, si tu veux, fais déjà ton perso. Genre, après, on se retrouve. On se retrouve. En fait, je sais pas, Alex, tu vas m'aider à répondre à mon dilemme. Ah bah non, attends. L'aime. Ah bah non, en vrai, Alex, je recommence un perso pour faire avec toi, je pense. Ouais, si je recommence un perso. Donc, du coup, il va falloir revoir la définition de mignon, se cogner la tête. Oui, mais c'est le style qui est. Bah t'avais pas un slot de. Si, justement. C'était pour ça, mais oui, je vais refaire un perso pour jouer avec toi. J'allais dire, en fait j'allais dire vas-y fais ton perso, on se retrouve, mais non, je vais refaire un perso. Ouais. Facile, En plus ce sera beaucoup plus marrant de recommencer à deux, franchement. Bien sûr. La question ne se pose même pas. Merci Fab d'avoir pointé du doigt. J'avais pas encore vu l'encastrement. en fait, ça me faisait peur. On aurait dit qu'il était absorbé par. Enfin, Oui. il rentre dedans, mais là c'était vraiment. Il se faisait absorber, Oui. manger par le bide. Tu Oui, vois? oui, oui. Mais j'avais pas encore vu cet endroit. Et surtout, je pensais que tu me parlais de genre son museau qui rentrait dans son bide. Et du coup, je comprenais pas. Ouais. Non, non, non. Du coup. Hop. Tu parles d'Alex Ryan, non? Je crois qu'Alex Ryan, il parlait. Il demandait comment ça allait. Je vais passer le mot. Alors, on va faire ça par ici. Attends, est-ce que ça marche? Tout petit peu. Voilà. C'est Yeah. BG, ouais. C'est toi le mec. Oh les amis, est-ce que vous me permettez de m'absenter 3 minutes? Ah, il faut que tu commandes. Et ouais, faut que je commence. Ah, mais je sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que je veux manger, moi? Aidez-moi. Allez, qu'est-ce que tu peux manger? Parce que. Raclette? Je suis. Bah, non, non, mais en commande. En commande? Ouais, parce que j'ai trop envie d'une raclette, mais j'ai pas de quoi la faire, malheureusement. Tu l'as pas fait J'ai ce pas week-end? le goût. Tu voulais pas en faire une d'ailleurs? Non, putain, je suis deg. Attends, je suis deg. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais. Et hier, on allait faire les courses. Ouais. Mais j'avais pas du tout parlé à Jess du fait que je voulais faire une raclette. Et Oh du coup, en fait, non. j'ai oublié. Oh non. J'ai zappé Oh et genre non. le soir j'arrive du dans son bureau et je lui dis j'ai le cœur brisé. Il me dit qu'est-ce qui t'arrive, tu sais, genre il dit à Mano genre attends et tout je reviens. Je lui dis je voulais faire une raclette ce week-end mais on n'a rien acheté Oh pour en non, faire. le pauvre. Il a dû trop paniquer pendant 2 secondes. Et du coup Bah du coup pas de raclette, mais on va. Du coup la Nisco me demande ce que j'ai dans mon frigo. Mais du coup on sait pas ce qu'on va commander en fait. Il faut qu'on Et commence à parler j'ai un. de ce week-end aussi. Oui en plus oui, bah faut qu'on Oula, commence à merde. parler des recettes, bien sûr.
Les Mais du recettes coup, pompettes, c'est un concept qu'on vient ouais. d'inventer, qui n'existe pas du tout. C'est pas ça que je Du vais coup, faire. j'ai un petit resto asiatique en bas de chez moi. Et j'ai envie de prendre un banh mi. Je sais qu'Alex, il adore les Un banh banni? mi. Je ne me trompe pas, Alex, hein. Ah bah tiens, je vais aller faire manger. Ah bah oui, bonne idée. Moi, je crois que je vais bientôt manger aussi. Ouais. Ah bah, alors si on s'arrête tous. Si on s'arrête tous, je dis pas que je m'absente. Je dis que je m'en vais. Mais je reviens, moi, dans 1 heure. Euh, Ouais. pour, Bah, euh, moi pour la dans suite. semaine. Un peu plus d'1 heure, peut-être. Mais voilà, de toute façon, j'ai fini mon premier dessin, je suis content. Alex dit les banh mi c'est le feu. En vrai, vas-y, je vais prendre un banh mi, je pense. Un banni. Oh, en plus, la dernière fois, j'avais pris un cookie au thé matcha en dessert. Oh, ah non, là, je vais prendre une panna cotta à la crème de coco. Bon, trop bien. Écoutez, je vais poster mon petit dessin. Et celui-là, j'ai clairement envie de faire des autocollants. Alors, je vais faire un truc. Ah, c'est mieux là. Je vais C'est beaucoup mieux quand même. dupliquer ça et ça. De. Hein? Ah, Ouais, le truc que tu me disais? ça pénètre plus, c'est bien. Oui. Voilà, regardez ce que je vais faire. Ça part. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Je te dis quand je serai prêt ce soir. Tu penses que, genre, Alex, tu penses que genre vers 21h15, 20, ça peut le faire? Bon, j'ai fini ce dessin. C'est très très clair en fait. Je sais pas Non, tu si. vois, en A4. C'était mieux comme Regardez, ça. regardez ce que je vais faire. Tac. Tac. C'est trop flex. Oh non, j'ai oublié le contour, Comme putain. ça aussi. Blah. Ouais, ok, parfait. Hop, on fait comme ça. Hop. J'ai peut-être retravaillé ça, Voilà. sa bouche, elle est vraiment nulle. Voilà, c'est ça. Hop là. Hop là. Et là. Magie. J'en mets combien? 1, 2, 3. Hop, le petit Inktober qui part sur mon Etsy là. Moi, je ferais des t-shirts. Ah oui, moi je réfléchissais Ouais. cette année. Ouais. Comme je suis plutôt satisfait de mes dessins, je vais peut-être l'éditer en livre. Oh, trop stylé. Avec du coup un petit Merci. paragraphe, explication Alors. d'inspiration et tout à côté, histoire que ce soit intéressant. Trop stylé. Si vous avez envie d'avoir un truc. Mais je dis ça, mais je vais peut-être pas le faire du tout, mais c'était une idée que j'avais. Ouais, non, mais c'est vachement bien. Donc voilà. Si ça vous dit, je vais commencer à faire des sondages pour savoir ceux qui seraient chauds pour le commander. Pas moi déjà, hein. Je t'en ferai même un petit article sur mon Et Insta. Fab, qu'est-ce qu'une ossale? Bah Ah! tu l'as déjà dit tout à l'heure. De quoi? T'as dit quoi? Ah pardon, tu vois mon micro, c'est de l'eau usée. Voilà, de l'eau usée. Alex, il dit, moi je serai chaud. Alex, il est chaud. Bah t'as Oh. déjà deux. Bon, ok, ça marche. Bah, du coup, je peux en commander déjà deux. Ok, ça marche. Alors attendez, je vais faire ça en direct. Je vais imprimer mon. Bah, non. Je vais Ah. imprimer mon Totoro. C'est pas de l'eau usée, apparemment. Bah eh oh! Alors, on se fout un petit peu de ma Bref, gueule, c'est là. chiant, je vous. Bah écoute, Yuma, on sera de retour. Alors Fab, il sera de retour avant moi. Voilà. D'ici, t'as dit quoi? 1h, 1h20, un truc comme Ouais, ça? voilà, c'est ça. Et moi, je serai là vers 21h15 à peu près, quelque chose comme ça, pour jouer à New World Voilà. avec Alex, que tu vas découvrir. Du coup, Qui est une ben, personne peut-être à en toi, or. si tu veux. Oui. En, mais véritablement en or, d'ailleurs, du coup. Et, voilà, c'est ça. C'est de l'or. De l'or en barre. De l'or en barre. Alors, imprimé, optimal. Attendez. Je me dépêche. Non, c'est pas ça que je veux faire. Attendez. Je vais pas faire comme ça. Golden Freezer, c'est moi. Meilleur également. Ah, c'est un sale haut. Freezer. C'est un salaud, d'accord. Ok, c'est juste ça la blague.
Il va stream Alex? Est-ce qu'il va stream Alex? Je suis pas sûre de ça. A tout à l'heure, Alex. Bon appétit. À tout à l'heure, Alex. Moi, je me dépêche. Est-ce que tu vas stream Alex? J'ai pris mon truc. Attends. Je sais pas. Ah, il a dit. Il réfléchit. Attends. Ok. Quel suspense. J'ai presque plus d'encre. Pourquoi j'ai presque plus d'encre? Comment ça se fait que j'ai presque plus d'encre? Ah mais genre des cartouches dois changer. Ah elles sont là. Ah mais elles sont neuves en plus. Faut que j'aille sinon je vais me faire dégager. Oui. Peut-être pas ce soir, je teste New World déjà sans stream pour voir si la coûte. D'accord. Ok, ça marche. On va voir si le... On va voir si le renflex tient. Le suspense était sans clombe, du coup pas ce soir. Voilà. Voilà, on a je l'ai fini. J'ai fini mon dessin. Allez. Moi, ça m'assiste à s'imprimer les et amis. Il pourra pas venir juste en VOC pour entendre sa magnifique voix. Bah si, bien sûr, il sera en VOC. Ah bah, il sera entendu, sur Discord, quoi. Ah oui, il sera sur Discord, t'inquiète pas. Puisqu'on sera en train de jouer. Il sera avec nous pendant... Et moi, je serai là en dessinant. Voilà. Alors, attendez, suspense. Est-ce que la qualité est OK? Ouh. Wow. C'est beau. Attends, c'est une imprimante classique du coup. Ça... ouais, c'est une imprimante. Tu sais, c'est ma super imprimante HP Office Jet. Ah mais moi aussi j'ai ça. Enfin moi j'ai une. Avec l'abonnement là. J'ai ouais moi aussi. Ouais. Eh ben ouais, c'est ça. En fait, faut que je m'achète tes feuilles. Oui. Oui, faut juste acheter des feuilles en fait, c'est ça le. Mais moi je sais pas si je serai là. Oh non, bah Ryan. Bah Ryan, bah qu'est-ce qu'on peut faire? T'es pas là. Du coup, on annule tout. Hélas. On annule tout. Ah bah oui. On annule tout. Et là, ce que je vais m'acheter. Donc là, j'ai déjà mis les sous de mon premier virement Twitch. Je les ai déjà mis de côté et je vais m'acheter un truc pour découper les autocollants. Yeah. Ça y est. Tu réinvestis. Bah oui. Ah oh non, j'ai pas mangé, j'ai pas fini ma pomme. On se fera pas mon dessert. Oh, après, faut que j'aille parce que je vais me faire tuer. Bon, allez, je vous abandonne, je vais aller manger. Gros gros bisous. J'attends juste que ma feuille elle finisse. Bon, vas-y, on attend qu'elle suspense. Ah bah oui, c'est très long là. Parce que j'ai mis en qualité optimale. Ah bah c'est. Oh, et franchement, c'est trop stylé. Alors, vas-y, fais voir. La planche. Oh, est trop stylé. Alors, on voit pas, mais genre, il y a genre pas de petits défauts d'impression et tout. Trop stylé. J'ai trop hâte de les découvrir, je suis trop contente. Peut-être en faire des plus petits, je sais pas. Ah, mais je vais tout faire. Bref. Pour venir entendre la belle voix d'Alex. Et bah, trop bien. Ah, ça c'est gentil. Allez les amis, je vous dis je vous souhaite un très bon appétit. Bon si appétit. Vous n'avez pas encore mangé. Et puis je vous dis, j'espère, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Attendez. Hop. Transition. Voilà. Hop.